Ouah, bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Xoupi Expédition, l'expédition curieuse de Xoupi, chers amis, avec la musique de Tintin en intro, si j'ai fait mon intro correctement, ou alors on en a rien à foutre, on est là, on est beau. Et aujourd'hui, nous avons trois possibilités d'expédition pour cette troisième expédition, alors que lui, il va en Arctique après moi, elle va au Venezuela si ça l'amuse, elle va au Sahara parce qu'apparemment, il y a des choses à explorer, elle aussi, enfin, c'est en dessous du Sahara, c'est quoi ça, c'est le Kenya? Je ne sais pas, j'en ai rien à péter, dans tous les cas... le désert noir avec deux temples, un petit village et d'autres temples mystiques et magiques. Là, il y a une espèce de truc bizarre. Et là, il y a l'air d'avoir un portail et des temples. C'est compliqué, hein, je ne sais pas où aller. J'hésite entre l'endroit qui a un portail magique et l'endroit qui a un temple mystique de Mankachapak. Du coup, on va y aller, on va chercher le pétrole directement au Moyen-Orient. Du coup, c'est dommage parce que dans la vidéo précédente, j'aurais peut-être dû prendre l'amélioration qui te permet de te déplacer plus facilement dans le désert. Quoi qu'on aura de la flotte avec nous, ça va bien se passer. Allons-y. Du coup, start l'expédition, c'est parti. Du coup, j'ai perdu 50 de popularité parce que j'ai foiré la quête du Mashmechistan lors de la dernière vidéo, c'est pas très grave. Du coup, voilà. Très tôt le matin, je suis monté à bord du bateau. Il y avait encore des choses à faire, alors je me suis pris une dernière tasse de thé. J'ai essayé de dire à l'impératrice de Mashmechistan que j'ai eu des difficultés, mais elle m'a juste tourné le dos. Puis elle s'est enfuie comme le diable, et maintenant je n'ai gagné aucun argent. C'est pas grave. Un chasseur à un bras m'a poliment demandé si je pouvais lui parler. Il avait entendu parler de mon expédition et m'a demandé si je connaissais une hyène féroce qui s'appelait Snarfrattle. Il détestait la créature de toute son âme et voulait que j'annihile la créature. Une récompense formidable m'attendrait si je la chassais et si je ramenais sa peau. Eh ben oui, pourquoi pas, butons des choses. Très bien, et il m'a souhaité bonne chance. Ok. J'étais fier de voir que notre bateau et notre expédition avaient attiré du beau monde. Il y a des gens qui avaient faim de gloire. Qui voulais-je donc recruter? Alors, oulala, j'ai le choix plusieurs. Alors, j'ai Timtine et Louis. J'ai Tintin et Milou. Tintin, le journaliste, il est là, il est beau, il est loyal, il est fantastique. Je peux recruter Tintin. Alors, on aurait Picsou, Riri, Loulou, Rance et Tintin à bord. Ce serait quand même plutôt pas mal. Il est là, regardez, il est là, c'est un beau Tintin. Mais il y a aussi Anne-Laure Rougeau, la cuisinière. Cuisinière, c'est très très puissant, hein, cuisinier, chers amis, parce que vous pouvez cuisiner la viande et augmenter votre santé mentale avec. Et ça, c'est toujours positif. Et un missionnaire. Très bien, on a frère Tuck, il y a frère Laurence qui viendrait avec nous. Mais du coup, j'hésite, parce que Tintin a un super pouvoir. Lorsqu'il vient, il amène avec lui Louis, le chien. Et le chien, il est comme... il est comme s'il, en fait, de Sengoku Rance, il prend pas de place de personnage. Donc, du coup, le chien pourrait dormir avec Seal et, unlocker des scènes assez exceptionnelles entre Milou et Seal de Sengoku Rance. Enfin, de Rance, Rance 1, Rance 2, Rance 3, Rance 5, hein, jusqu'à Rance 10, à peu près. Il y a eu beaucoup de jeux hentai avec Rance dessus. Du coup, on va prendre Tintin, allons-y. Très bien. Nous aurions besoin de l'aide du garçon avec son fier toutou et nous l'accueillons dans notre équipe. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Amélioration d'animal. J'ai rien à améliorer, donc on s'en fout. Amélioration de matos. Ah, voyons voir. Ouh, putain, un fusil! Oh là 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 là. Des canettes. Des jumelles. Il me reste un climbing gear. Ça, je peux pas le vendre. Faudrait du matos de soins aussi. Oh, c'est compliqué. Le fusil, en fait, est une arme extrêmement puissante si on l'utilise en conjonction avec des yeux. Avec des yeux. Si on utilise le fusil avec des yeux, ça devient une des armes les plus puissantes du jeu. Or, coup de bol, des dés bleus, on en a une chier. Donc, ça nous rendrait viable pour la baston, en fait. Donc, j'ai envie de dire oui. Je le prends, même s'il me laisse plus que 60$, ce qui est assez pour me choper quelques canettes de bouffe. Mais c'est la misère, hein, sinon. La misère, elle est totale. La misère est absolue, chers amis. Donc, 12 canettes de bouffe, ça me donnerait. Et je pourrais même pas me payer un medikit. Je peux pas vendre les objets. Je ne peux pas vendre les objets ici. Tom Page of World Creation. Très bien. Des balles, non. Des cordes, c'est toujours utile. Des cordes. Des cordes et des machettes, c'est utile aussi. On va prendre
quatre machettes et une corde. Mais c'est la misère sexuelle, les enfants. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Allez, on part avec. On part avec et on y va. On y va avec notre bite et c'est tout. Mais Picsou, il n'est pas multimilliardaire. Il est surtout pauvre au point de jamais avoir amené un sac de couchage. Ce qui fait que Fifi en a payé les frais, si tu veux. C'est canon. Hein. Nous voici arrivés au Nouveau Monde et on commence directement avec une caverne alors qu'on n'a pas de torche. Fantastique. Du coup, on n'a rien de stocké. On va stocker les raquettes parce que sincèrement, on s'en fout. On pourrait peut-être les vendre, mais bon, la value, elle n'est pas là. Par contre, on va prendre de la flotte. Vu qu'on est quand même dans le désert, on va essayer de faire... On va faire semblant de faire attention, si tu veux. Voilà, ça devrait amplement suffire. On est pas mal. On peut monter ça et l'escalader le début, histoire d'avoir une petite visibilité sur ce qui nous attend. Ah, j'aurais pu prendre une pelle aussi, parce qu'on aurait pu trouver l'endroit avec un trésor, mais bon, c'est tendu. Et bien sûr, il n'y a que des cavernes. Je sens qu'on va se faire baiser, mais monumentalement, donc allons-y. Ce serait dommage. Oh, qu'est-ce que c'est, un temple ? Un temple dans la montagne. Après avoir voyagé pendant de longues journées, nous sommes arrivés en face d'un temple mystérieux qui était construit sur le côté d'une montagne. Tout ce que je pouvais dire, c'était que c'était un endroit spécial. Une grande entrée béante s'offrait à nous. On pénètre dans le temple. Oh, le chalice. Nous sommes entrés dans une zone très préservée et cérémoniale. Un grand autel en pierre se tenait en son centre. Il y avait un calice en glace, qui contenait un liquide clair. Mon intuition me disait que l'un d'entre nous devrait le boire. Oh merde. Alors, j'ai envie de le faire boire à Syl, si tu veux. Parce que c'est canon. Rance Sama ne boirait jamais un objet au pif, hein, c'est pour ça. Et j'ai pas envie de sacrifier Loulou. qui est-ce qu'on sacrifie ? Est-ce qu'on sacrifie Tintin ? C'est risqué. Écoute, on va faire boire Syl, on y croit. J'ai demandé à Syl Plaine de boire depuis le calice mystérieux. Elle me regardait pendant un moment assez significatif, puis commença à boire lentement la potion étrange. Après avoir bu le fluide, elle devint vachement plus pâle et avait l'air en bonne santé. Il semblait qu'elle pouvait se régénérer beaucoup plus facilement. Ah putain ! Ah, 60% de régénération de santé, super utile. Bon bah, fantastique. Au moment où nous quittions le temple, une immense porte de pierre s'abattit derrière nous. Il n'y avait aucun moyen d'y retourner. D'accord. Bon bah, bien. Bien, on a tout gagné si tu veux. On a tout gagné. Passons par là. Alors c'est plutôt, ouais, voilà, dans ce sens-là. Donc la statue devrait être ici. Explorons la cave. Malheureusement, nous n'avons pas de torche, donc il va falloir espérer que l'un de nos dés donne un œil. Comme vous pouvez le voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés. Et sur ces 8 dés, il y a au moins 2 faces qui sont couvertes d'un œil. 3 pour l'un et 1 pour le dernier. Donc on espère. C'est bon, on a un œil dans le tas, ça gagne. Je demandais à tout le monde de se mettre en ligne et de se préparer à marcher dans les ténèbres. Notre marche commença. Il semblait que la chance et le destin nous souriaient alors que nous arrivions à la fin du tunnel. Je ne pouvais pas dire combien de temps nous étions restés dans les ténèbres, mais nous voyons subitement une lumière et nous essayons de la rejoindre le plus vite possible. Petite caverne à l'intérieur, et ça devait être une expédition échouée. Les restes pourris de ce qui devait être un explorateur arabe, nous regardaient à travers ses yeux creux. Tous les os ont été vidés de leur moelle épinière, apparemment. D'accord, donc ils se sont fait bouffer. Voyons voir ce qu'ils ont laissé, s'ils ont laissé du matos. Oh putain ! Alors, ils ont laissé des trucs pour dessiner des dessins, des cordes et surtout du whisky. Excellent, le whisky remonte énormément la santé mentale, mais peut rendre vos personnages alcooliques. Donc c'est dangereux à utiliser, mais extrêmement rentable. Du coup, ce désert. Donc on va aller là d'abord. Là, il y a une hyène. Faudrait essayer de les buter. Hein. Il faut essayer de se mettre en mode baston parce que... Et même de bastonner avant d'arriver au marchand, j'ai envie de dire. Donc on va aller là. Et on va les provoquer. Voilà. On va attaquer cette hyène à la con. Yaaah ! 3 hyènes qui ont 6 points de vie chacun. Sauf qu'on est une véritable petite armée. Et on a beaucoup de dés, si tu veux. Donc ça va bien se passer. J'ai foi. Vous voyez, il y a même le dé pour mon fusil. Allez, on roule. On a un fusil. Master full shot, 12 de dégâts, pef! Allez, ça c'est réglé, merci, des bisous. On va garder les yeux, on va garder cette patte, on va garder la provoque, et puis c'est tout. Et on va garder la magie, parce que ça compte. On va essayer d'avoir des dés d'attaque.
un dé d'attaque, très bien. Et des dés d'attaque, très bien. Donc alors attends, dans l'ordre. La magie. Le rite de l'unité. Vas-y, un peu de magie de la part de Syl. Qui nous soigne, c'est cool. Attaque 1, attaque 3, attaque 4 et saignement fort qui fait perdre 3 points de vie par tour. Donc en clair, il est mort. Blé ! Déjà ça, ça paye. Milou, mord-le. Mord-lui les couilles. Voilà. Ensuite, attaque 1, attaque 2, attaque 3. Ponctuation, donc on lui perce un poumon. Blé ! Voilà. Puis là, ça c'est juste pour l'insulter et on lui aboie dessus. Voilà. Mais il devrait saigner à mort. Il saigne à mort. Très bien. Victoire ! Et on récupère plein de santé mentale. Et on peut récupérer de la peau, de la viande et des dents. Excellent, on prend tout. On prend tout. On a deux items en trop, par contre, ça nous dit. Alors, faut pas paniquer et il faut jeter ce qui n'a pas de valeur. La viande a peu de valeur. La viande a peu de valeur, mais elle aura de la valeur auprès des paysans, si tu veux. Donc, on va jeter de la flotte, vu qu'on peut en récupérer facilement et que, de toute façon, ça se passe plutôt bien. Donc, on peut aller... Ah oui, on est trop encombré encore. Ah, merde. Merde, on est trop encombré. Qu'est-ce qu'il faut jeter de plus? On jette encore de la flotte. Voilà. On aura largement assez de flotte pour gérer ce genre de situation. Voilà. Et on va attaquer ce piaf géant. Allons-y. Il est seul. Il a 18 points de vie et il fait énormément de dégâts. Allons-y. On a le fusil, on a les yeux. Dès le début, on ne réfléchit pas. Bam! 12 points dans sa gueule. Ensuite, on a ça. Ah, la malédiction du poisson! Poison! Le poison le consume. Le poison! Très bien. On le mord. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ça et ça, je crois que c'est un coup de boule. Bah! Voilà, c'est ça qui est bon. Ça, on le garde et on roule. Allez, des yeux. Que des cerveaux. Aïe. Nous sommes, comme qui dirait, dans la merde. Non, on peut se sauver avec une dynamite et une explosion planifiée. Vraie! Victoire! Du coup, il est mort en un seul tour, on regagne plein de santé mentale et on récupère des plumes et de la viande. Et on a un item de trop, ce qui à 9 fois nous casse les couilles. Mais c'est pas grave, la viande, peut-être les machettes, hein. Peut-être les machettes. Parce que les machettes, ça vaut pas grand-chose. Et ou ça. Mais ça, je peux le vendre aussi, ça vaut 10, ça vaudra 20. Mais ça vaudra cher auprès des natifs. Oh, et puis merde, on vire les machettes. L'important, c'était de garder de la flotte, chose que nous n'avons absolument bien sûr pas fait. J'ai pas l'intention d'aller jusque-là, mais je vais faire le petit mouvement ici, afin d'explorer ça, voilà. Et c'est une mission. Ah ! Les missions sont les endroits où les prêtres se trouvent, et je peux y dormir en échangeant un peu d'alcool ou quoi que ce soit, et regagner plein de santé mentale. Cependant, ils ne sont pas très utiles à ma quête pour l'instant, et donc j'ai très envie d'aller là-bas, hein, d'explorer ça dans le désert, mais c'est peut-être un village de natifs, tu me diras. C'est peut-être un village de natifs. Ce serait peut-être intéressant d'y aller tôt, même s'ils font un peu la gueule, ils sont à moins 2. Mais on a plein de choses à leur échanger, si tu veux. Et on pourrait récupérer de la bouffe ou des choses intéressantes. Ce serait risqué. Allons-y, allons voir le marchand. Allons voir le bédouin. J'ai toujours la quête où il faut que j'aille buter la hyène rare. Mais vous en faites pas, on la reconnaîtra facilement. Voyons voir. Oh là 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 là, grosse musique arabe. Alors... Un marchand itinérant s'est installé ici, et il avait des choses à nous montrer. Welcome, stranger. Oh, il semblait nous apprécier et nous présenta ses objets rares qu'il avait planqués sous un tapis. C'est raciste, ça, monsieur. Alors, voyons voir. Oh là 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 là, effectivement, il a du matos. Alors, il a de la flotte, mais on s'en fout, on en a plein. Il a des cartes. Il a des cartes au trésor, mais on n'a pas de pelle, si tu veux. Donc, même nous, notre carte au trésor, tu sais quoi, on va lui donner. Il a une page de magie qui nous permet de nous ramener au bateau. Et une page qui permet de créer une cascade. Oh ! Ça, c'est important, ça. Ce sera utile. Je vais la garder, je vais la prendre. Une boule de cristal permet de voir les choses cachées au loin. Une boule magique. Ok. Apparemment, comme vous pouvez le voir, value 15 plus 50%. Il a l'air d'apprécier les dents. Il a l'air d'apprécier les plumes. 60 de valeur. Il se fout de la viande et les peaux l'intéressent. Donc du coup, on va lui donner voilà, la plume. Et on va prendre... On va prendre une poupée vaudou. Qui peut apporter la mauvaise chance sur les rivaux. On va prendre... Ouais, ça c'est clairement plus de value si tu veux. On va prendre 3 colliers. Voilà. C'est bien parce que ça rend les gens heureux et ça a plein de valeur si tu veux. La boule de cristal, on peut la prendre avec ça aussi. On peut lui donner les dents derrière et même une peau. Et on peut prendre une poupée. Pas de poupée, non. Pas de poupée.
Et là, deux poupées? Non, toujours pas deux poupées? Qu'est-ce qu'il y a? 85, 20, 20, 20, 10? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, c'est ça qui fausse le jugement. Ok, voilà, très bien. Donc on garde ça et on te donne deux de viande, une peau, toutes nos dents et deux plumes. Et en échange de quoi, tu nous donnes une page de création de fontaine qui nous permet de nous reposer, une poupée vaudou, trois colliers, deux poupées et une boule de cristal. Je peux même te lâcher ça, en fait, hein, parce que ça, on s'en fout. Combien ça vaut, ça? Non? Deux poupées en plus? Un pendule de temple. Un artefact étrange qui réagit à sa proximité avec un temple magique. Ah! C'est intéressant, c'est intéressant. Écoute, j'échange un collier contre ton collier. Hein, ça te plaît? On est bien? T'es content? Mais oui, ça, c'est un bon bédouin. Allez, accepté. Super! Padabada! Très bien, et on a trois items de trop, du coup. Ah, c'était donc une erreur majeure de ma part de prendre autant d'objets. Ça, on va l'utiliser, ça va paralyser nos adversaires pendant genre deux semaines où ils vont se chier dessus. Donc voilà une place d'inventaire qui est réglée. Ça, on peut le boire et enfin en finir. Et s'il est devenu alcoolique, eh ben tiens. Et sa loyauté vient d'augmenter. Excellent, on gagne un temps fou. Ça, c'est des canettes, on s'en fout. Et ça, on va le ranger au début, en fait. On va ranger les objets... Les objets qui ne servent à rien au début, comme ça au moins. Voilà. Avec le fusil, qu'on n'échangera pour rien au monde. Les objets à qui ont peu de valeur, on les met à la fin. Voilà, très bien. Voilà. Le mec qui range son inventaire, si tu veux. Il me reste un item de trop. Je peux lâcher ça. Je vais lâcher ça, d'ailleurs. Hop, voilà. J'aurais pu lâcher de la flotte, mais on est quand même dans le désert. Et j'aime pas jouer l'imprudence à ce point, si vous voulez. Donc du coup, marchons. Jusqu'à un truc au milieu du désert, peut-être un village, qui sait. Un village. Excellent. Ils nous aiment pas beaucoup, mais on a plein de choses à leur donner. Aujourd'hui, nous avons trouvé un village. C'était des groupes de chamans. Très bien, il y a même un Beastmaster, un maître des baits. Excellent. Le maître des baits. Ah, il nous propose de recruter des animaux et de les mettre dans notre équipe, mais si on a assez de dents, en fait. Il prend pas d'autres unités. C'est pas grave, on a largement la place. On a la place? Non, on n'a pas la place. Vous voyez, on est plein, en fait, dans notre équipe, donc on s'en fout. Échanger. Échanger. Une torche, ça pourrait être pas mal. Des dents, on s'en fout. Les cailloux, on s'en fout. Oh, les drums. Les drums, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Du coup, je peux leur donner ces objets, vu que je les ai échangés au marchand, et que je les ai échangés... j'ai échangé ces objets contre des plumes que le marchand surévaluait. Ça, par contre, ça a la même valeur entre le marchand et ici. Donc, du coup, je peux transférer la valeur ici, vous comprenez? C'est ça le but, en fait. C'était ça mon but depuis le début. Je peux aussi leur donner la viande, dont je me fous. Les poupées, je les garde parce que ça augmente la santé mentale et ça sécurise. Et cette peau. Cette peau a beaucoup de valeur. Je gagnerai plus 6 de standing, ce qui en ferait mes potes, ce qui serait pratique. Mais je vais quand même essayer de choper principalement de la bouffe. Donc on va donner ça aussi, les peaux, histoire de se faire un peu de place. Et c'est pas les peaux des hyènes, de la grosse hyène que j'étais censé trouver. Donc on va prendre 3 torches, s'ils veulent bien. Les cristaux, parce que ça, ça vaut de la fame. Je voudrais les tambours, parce que ça permet de gagner un peu de santé mentale de temps en temps. Je pourrais prendre genre 2 mangues. Ouais, de mangue. Et ce champignon, c'est cool. Et ça me ferait quand même gagner plus 3 de standing, non? Ouais, plus 3 de standing, et on est à moins 2, donc on resterait à plus 1, ce qui fait que les villageois penseraient pas à spontanément venir me casser le cul. Ce qui est important, si vous voulez. Par contre, j'aurais plus assez de place dans mon inventaire, n'est-ce pas? Oui, c'est une erreur que je fais donc. C'est donc une erreur. Sauf si je mange ces mangues tout de suite, mais je peux les virer dans ce cas-là. Et ce champignon, je peux le virer aussi. Dans ce cas-là, j'échange 3 pour Toura et j'aurai la place, normalement. Ça devrait bien se passer. Je gagne plus 4 de standing, plus 3 de standing, plus 4 de standing, bah, je pourrais le bouffer. Excellent. Allez, vendu. Hop là. Plein de standing parce que j'ai fait un échange en leur faveur. Du coup, ils m'aiment bien. Et du coup, je peux aller essayer de voir s'il y a des gens à recruter. Alors, une géreuse d'animaux, quelqu'un qui peut gérer les animaux. Un autre. Un chameau. Je peux recruter un chameau, c'est cool. Et c'est tout. Il n'y a pas d'intérêt à ce que je recrute d'autres persos. Les seuls persos que j'aurais pu virer de mon équipe étant Syl et le chien. Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas de place d'inventaire. Je pourrais virer un des canards, si tu veux. En fait, ouais, je pourrais virer un des canards. Hein. Je pourrais abandonner Riri ou Loulou. Alors du coup, on abandonne qui? On abandonne Riri ou Loulou? Non, parce que... on me dit, non Bob, t'as besoin des yeux. Mais j'ai plein de dés de yeux, y a pas de problème. J'en ai énormément, je peux bien remplacer ça pour de la capacité de carry et un chameau.
Bon, on me dit Loulou, vire Loulou, très bien, bah écoute, je prends ce chameau s'il vous plaît, merci beaucoup. Très bien, on l'a appelé Madame Andrews, parce que c'est une chamelle, elle est adorable. Très bien, ils sont très amicaux et nous ont proposé d'aider, bah on va rester et dormir sur place. Voilà. Oh, et les natifs célébraient un mariage. Le rituel était très compliqué et fascinant. Le couple avait l'air très heureux. Tout le monde a dansé lors du mariage et tout le monde avait l'air heureux. Fantastique. On dort du coup. Très bien, fantastique. Le rituel de mariage était toujours en cours. Les gens étaient en train de se nourrir sur des grands festins. Partir de leur village maintenant serait considéré comme une offense capitale. Eh ben... Niquez-vous. Niquez-vous. C'était considéré comme un mauvais présage pour les deux mariés, si tu veux. Et ben Loulou, parce qu'il est pas EP, si tu veux. Donc on va virer Loulou. Hop, dismiss. Adieu, Loulou. Des bisous, Loulou. Voilà. Il était temps d'abandonner Loulou. Tout le monde m'a prévenu des conséquences. Niquez-vous. Niquez-vous. J'ai viré Loulou. Adieu, Loulou. Et par contre, on a pas mal de place en plus. Est-ce que je peux monter? Ah, je monte à bord du chameau. Excellent. Ça fait qu'on a quand même une place d'inventaire en trop, mais c'est pas grave, c'était calculé. Je mange cette mangue délicieuse. Je joue du tambour, ce qui en plus attire les ennemis et les pousserait à m'attaquer, ce qui est une bonne nouvelle vu qu'on a largement de quoi affronter ces minables. Et je peux utiliser la boule de cristal. La boule magique. Forêt de pierre, ça coûte pas très cher à se déplacer et je pourrais aller vachement loin en plus, ce qui est une bonne chose. Utilisable tous les 30 jours, excellente nouvelle. Allons-y. En plus, je suis à dos de chameau. C'est pas mal. Hein. Une caverne. Ah, bonne nouvelle. J'ai acheté des torches. Allons-y. Nous trouvions une caverne. On va l'explorer. On allume une torche et on trouve enfin une expédition ancienne. Ça avait l'air un explorateur français qui est mort ici. Tous les os ont été sucés de leur moelle. Et il y avait encore du matos. 5 cordes, une carte... Et encore une boule de cristal, genre une deuxième. D'accord, bah je prends tout. Est-ce que je peux... Ah, je peux utiliser la deuxième, hein. Ah, c'est fumé. Par contre, j'ai une place d'inventaire en trop. Et là, apparemment... Je saurais pas où ça se trouve, de toute façon, je n'ai pas de pelle, donc ça sert à rien. J'ai une place d'inventaire en trop, j'aime beaucoup l'idée d'avoir deux boules de cristal, si tu veux. On va utiliser les deux petites poupées, histoire de gagner 10 points de sanité, on joue à la poupée. Et là, cette hyène dort, cette hyénasse dort. Si on la bute, on récupérera des pots et on aura des problèmes d'inventaire à nouveau. Sauf si je descends du chameau, ce qui va augmenter encore plein de places d'inventaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais du coup, je perds la protection du chameau. J'ai aussi 2 étoiles à attribuer. Je peux la faire passer level 2, elle, ou EP le level de Tintin. Je pense que je vais EP le level de Tintin. Voilà. Excellent. Très bien. Sa loyauté a augmenté, maintenant il a un dé parfait, ça c'est la bonne nouvelle. Du coup on pourrait buter cette hyène, parce que le fait de buter les hyènes, c'est cool aussi, ça nous permet de gagner pas mal de santé mentale. Mais le problème c'est que si on est blessé en cours de route, on va avoir des gros problèmes, parce qu'on n'a pas de quoi soigner les gens et on pourrait mourir d'infection, et ce serait quand même la misère. Stone Overhang, un truc où on peut se reposer, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Par contre ça me plaît ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, une stone tattoo. Snarf rattle la hyène. Ah ah! Et ça, un raptor. D'accord, très bien. Un peu dangereux. On fait du bongo. Très bien. J'inspectais cette statue faite par l'homme mystérieuse et étrange. Les yeux surprenamment bien faits semblaient nous fixer. Ça me rendait très inconfortable et je décidais de me déplacer. Cependant, je remarquais qu'il y avait quelques objets en bas de la statue. Ça devait être une offrande de la part des villageois pour apaiser les dieux. Oh, 5 fruits et un éléphant de tusk. Eh ben, je prends tout. On prend tout. Voilà. Et Riri est devenu superstitieux. Les dieux sont en vie dans ces terres. Riri, un peu plus, tu veux. On me dit que là... D'accord, dans cette direction. Donc elle devrait être par là, en fait. Sans doute par ici, en fait. Donc on devrait s'y déplacer. Très bien. Très bien, très bien. Allons-y, on va explorer ce que c'est, ce truc. Un temple. Ah ah ! Un temple, un temple. Loyauté KBC. Oui, parce qu'elle est alcoolique. Si elle a pas sa dose, si tu veux, elle est pas là. On va augmenter sans doute le level de Tintin, brave Jean. Parce que j'augmente le level de Tintin. Ah, Aidan, il gagne un dé de combat, ce qui est une excellente nouvelle. Tintin, il s'est bastonné. C'est bien.
Un temple longtemps oublié par l'être humain, resté baigné dans la lumière en face de nous. Il y avait beaucoup de plantes qui poussaient tout autour en cherchant le soleil. Il y avait beaucoup de sang par terre séché, dessiné en cercle autour du bâtiment. En tant que warning, en tant qu'avertissement, merci pour tous ceux qui auraient eu l'audace de vouloir rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ok, c'était la traduction de merde, c'est pas grave, on s'en fout, on avance. Il y a des gros cracks, mais ça a l'air cool à explorer. On va rentrer à l'intérieur, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah, il faudrait quand même qu'on rapporte de la merde, hein. Il faudrait qu'on rapporte des trésors à un moment, si tu veux. Hein. Parce que c'est la dèche, mais... C'est la dèche, mais va falloir s'y faire, hein, si tu veux. Va falloir s'y mettre à un moment. Va falloir s'y mettre. Peut-être lâcher les torches. Ok, voilà. On examine ça, on rentre. On prend tout. Voilà. Prends tout, on se casse. Moins 3 de standing, il commence à faire la gueule. Et des montagnes gigantesques jaillirent du sol. Ah, juste des montagnes. D'accord, bon, c'est pas très grave, alors finalement, tout va bien. On peut du coup procéder... Ah bah, merde! Ah bah, pourquoi il est disparu? Ah, c'est la deuxième quête que je fais planter comme ça! Il s'est fait jaillir dessus par une montagne de cailloux! Et du coup, bah on est mort, mais comme des chiennes, en fait. Bon. Là, c'est pas grave. On a pas mal de ressources pour la prochaine expédition. Et ça, par contre, ça aura disparu d'ici la prochaine expédition. Donc, vaut mieux, éventuellement... Voilà, attaquer les hyènes qui viennent auprès de nous. Histoire de quand même gagner des pots, des choses, et gagner un peu de valeur avant de finir cette expédition, parce que c'est la bite, quoi. C'est la bite, le machin, il s'est fait empaler par la montagne. Il est mort comme Cars dans Jojo's Bizarre Adventure 2, j'avoue. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, nous avons le fusil, l'œil. Donc ça vous permettrait de débuter facilement, mais en même temps, gardons nos slips, calmons-nous. Parce que si je fais épée, œil et œil, j'en bute un automatiquement aussi, et ça me permet de garder le fusil pour une autre combinaison possible et potentielle. Donc vrai! Déjà lui il est mort. Ensuite, l'empoisonnement, on s'en fout. Quoique l'empoisonnement, ça fait quoi? Ça fait un de dégâts? Et ça ferait un de dégâts chacun, c'est de la value, hein, c'est de la value. On va d'abord utiliser la griffe, lui il est en train de saigner, donc il va mourir. Regardez ça... Ils ont quoi? Un dé d'attack. Donc si je mets un coup de boule à cette hyène, son dé d'attaque sera stunné. Et du coup, vous voyez, son dé, en fait, il a un stun. Ça veut dire que son dé ne marchera pas lors du prochain tour. Donc ça veut dire qu'en fait, je peux lui mettre une bastos. En fait, je peux garder tout ça, ouais. Même garder la provoque. Enfin, parce que c'est qu'une provoque. Il y a un œil, c'est cool, je garde l'œil, je garde ça. Et il n'y a rien. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ouais, tout ceci, voyons voir. Attaque précise, aim shot. Blé! Voilà, très bien. Blé! Oui. Voilà. Il se prend le poison, il peut pas lancer de dés, et il est mourant, là. Il est en train d'attendre sa fin. Il est en train d'attendre sa fin, chers amis. Voilà. Ça, vous avez pas vu ça dans Picsou Mag, c'est Picsou qui approche d'une hyène et qui lui met un tir dans la bouche, blé, avec un fusil, si tu veux. Vous avez pas vu ça dans Picsou Magazine, hein, je vous assure. On a tout pris et on a deux items qui nous overbird, mais on est en face de la pyramide. Donc on va manger ces petites baies qui de toute façon disparaîtront à la fin de cette map. Voilà, et on a largement assez de quoi y aller, même si on est surchargé. Ça nous permet de garder le matos, quoique ça va disparaître après l'expédition aussi. Bon, jetons le monde. On jette ça. On y va. Et tant pis pour la hyène. J'ai pas sa peau. C'est pas grave. Fin de l'exploration. Victoire totale. Et la pyramide en or, c'est beau. Gloire au créateur. Oh là 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 là. Xoupi, qui est dans la gloire. Le moral qui est assez neutre, finalement. On s'en sort pas si mal. Hein. C'était quand même bien la merde. Voilà. Après toutes ces difficultés, une joie immense me submergea. Je me souvins, je me rappela, je me dis alors que le nom de Picsou
sera remémoré jusqu'aux confins de la Terre. Et synonyme de victoire. Et on est premier. En plus, j'ai le bonus du journaliste qui me donne 15% de gloire en plus. Et j'ai 1500 en gloire en tout, donc c'est plutôt pas mal. Je suis dissident, je n'ai pas répondu aux provocations du Raptor, si tu veux. C'est bien dommage. Voyons voir. Alors, on a trois améliorations. Ah, épouse-moi! Non, elle est à Tintin, mon gars, si tu veux. Il est où, Milou? On a perdu Milou. Je sais pas où est Milou. Je croyais que Milou avait survécu. Bon, Milou a sans doute survécu, hein. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais du coup, on a encore perdu un neveu, si tu veux. On perd un neveu par expédition, c'est fantastique. Hein. C'est fantastique. N'est plus embêté par les moustiques. Peut soigner les membres non humains pour moins. Et on regagne pas mal de santé mentale après un combat, c'est pas mal ça. Et enfin, 40% de vision, de distance de vision. 40% de distance de vision en plus, c'est très très bon. Mais plus 20 de santé mentale après un combat, c'est assez dingue. C'est assez dingue, brave Jean. Ça veut dire que tu peux techniquement... ouais, mais 40% c'est beaucoup aussi. Hein. Ah, j'hésite. Bah, mais il y a déjà Rance qui nous donne pas mal de santé mentale après un combat. Mais 20, ça ferait... Combien il donne? 36? Ça ferait 56 ou 54 de santé après un combat. C'est fumé! C'est fumé. Ah! Ah, je vais prendre la santé mentale. On va la jouer agressif. On va la jouer agressif. Ah, Lara Croft qui croit qu'elle peut nous dépasser. Qu'elle peut dépasser la gloire de Xupi. Putain, elle rentre avec du beau matos quand même, hein, j'avoue. Les mecs font du taf. Ah, voilà. Alors là, on va voir un petit peu qui a la plus grosse bite. 70 de fame. Les joyaux, 30 balles. La défense, 60 balles. Cette saloperie, 70 balles. Ça vaut rien, mais ça vaut beaucoup auprès des villageois, donc on va les garder. Et ça vaut rien, mais ça vaut beaucoup auprès des villageois, donc on va les garder. Mais on est pauvre. On va en vendre deux pour avoir 100 balles. Et puis on va tout vendre, en fait. Voilà. En tout cas, c'est cool. Très bien. Excellent. Et donc on a 105 balles, ce qui est la misère sexuelle. J'ai donc le choix pour l'expédition 5 qui arrive, la jungle des Oompa Loompa, les terres corrompues opulentes, et enfin les terres arides impardonnées et impardonnables. J'ai envie d'aller aux terres corrompues opulentes, mais le problème c'est que c'est des endroits à Cthulhu, si tu veux. C'est-à-dire que tous les êtres humains que tu rencontres sont des abominations qui ne se nourrissent que de viande et c'est le seul moyen de négocier avec elles en fait. Mais on a beaucoup de dés de combat aussi. Hein. On a beaucoup de dés de combat. Le problème c'est qu'on n'a pas de matos de soins. Mais on pourrait récupérer pas mal de matos bien en fait. Hein. Ah j'hésite. J'hésite. Je crois qu'on n'est pas prêt pour la Corrupted Land, hein, brave Jean. On peut retourner dans une Dry Land. Allons, écoute, tu donneras le dernier neveu si tu vas dans un village. Merci Lady Klepto. Non mais ce que je veux dire c'est j'hésite. J'ai envie de retourner là. On va retourner au désert, je me fais confiance, voilà. Tôt le matin, le capitaine n'était pas encore arrivé au bateau. J'avais le plaisir de lire mon nom de Xupi dans le journal local. Après mon arrivée, cependant, le chasseur m'a approché. Il était impatient de voir si j'avais la preuve de la mort de Snarfrat. Malheureusement, non. Je n'avais pas de preuve pour lui et du coup, il s'est tiré, il était dégoûté. Un autre marchand m'a proposé une offre intéressante. Je devais obtenir une idole rare qui était localisée dans un village dans la zone où on allait se rendre. Il garantissait qu'il y aurait de la grosse récompense si on arrivait à l'obtenir. J'ai pas de dé vert pour voler le... J'ai pas de dé vert en fait pour voler l'idole. Donc c'est un peu risqué, mais on va accepter, on verra bien si on arrivera à piquer l'idole. Qui on peut recruter? Une artiste, un soldat, le soldat en fait après chaque combat il augmente la santé aussi, mais on a Rance pour ça, et enfin James Sterling. On est bien, on a besoin de personne. On pourrait remplacer Riri. Riri pourrait être le seul à avoir survécu, si tu veux, et pas avoir été abandonné comme un chien. À la seconde où on débarque, si tu veux. Mais écoute, c'est plus drôle de voir Riri mourir sur place. Allons-y. Très bien. Je pourrais utiliser 100 balles pour améliorer la capacité de transport de notre de Mademoiselle Lee, mais on va voir pour quel matos il propose. Il propose un fusil à pompe.
c'est pas mal. Il propose une tente, et ça, les tentes, c'est pas mal du tout. Il propose bien sûr du matos de soins, de l'alcool, histoire de garder l'autre sous contrôle, du matos d'escalade. Putain, ça va être tendu. Alors, c'est une jungle. C'est une jungle, c'est une jungle, c'est une jungle. Réfléchissons, on a des bongos, ça, il faudra le lâcher au... En fait, on a un peu de bouffe, on a de la flotte qui reste, on a des armes, mais c'est vrai qu'on a du matos comme ça. La tente, c'est utile, en fait, parce qu'on peut choisir de camper pour regagner de la santé mentale, et on peut l'utiliser autant de fois qu'on... Autant de fois qu'on en a envie, en fait. C'est pour ça. Picsou refusa de recruter qui que ce soit, jetant un regard malfaisant et malsain à Riri. Tout le monde à bord comprit le message. Tintin pour le Times. J'avoue. Mais, écoute, on va... la tente. Mais la tente, c'est bien. Hein. La tente, ça rend énormément de santé mentale aussi, en cas de difficulté. Mais on n'a pas besoin, on pourra se battre. On pourra se battre. Ce qu'on veut, en fait, c'est de la dynamite. On veut un peu d'alcool pour maîtriser l'autre folle dès le début, histoire de pas avoir de problème. On veut des hachettes à l'infini. On veut un matos d'escalade qu'on va claquer dès le début, voire deux, si on est un peu intelligent. Il nous faut une pelle, parce qu'on gagne, on a toujours un trésor, et après, il faut qu'on voie autant de soins qu'on peut. Tant pis pour la caverne, on a plein de yeux, ça devrait bien se passer, on a largement assez de cordes. Je me fais confiance avec ce matos. Voilà, très bien. Excellent. Ok, on était prêts à y aller. C'est parti les enfants. Curious Expedition, page 4. On y croit. J'ai pas la place, mais on va voir ce qu'on va lâcher au bateau dès le début. On va essayer d'être intelligent à ce propos. C'est possible. Tout est possible. Excellent. Très bien. Alors, Access Ship Storage. Déjà, on va poser ça. Et l'alcool, on va le boire presque tout de suite. Ah, j'ai envie de récupérer de la flotte aussi. On peut poser une des boules de cristal, hein, parce qu'on en a plein. Au bout d'un moment, calmons-nous, si tu veux, calmons-nous. Calmons-nous bien. Bah là, on serait bien. On pourrait pas récupérer de la flotte, du coup. Ce qui serait, somme toute, dangereux. Fais voir l'extérieur. Parce que c'est des drylands, hein. En même temps, un stack de flotte, ça devrait être entièrement suffisant. Regarde, on refile water. Alors, on vire celle-ci. Et puis on n'a pas besoin de stocker quoi que ce soit de plus. Hein. Quoi qu'en plus, regarde, on est même malin. On claque ses boules dès le début. Alors. Ouais, ça coûterait 30 parce qu'on est overbird, mais c'est pas grave. On va essayer de les claquer loin. Voilà. Parce qu'on aura une belle vision de toute façon. Voilà, très bien. Excellent. Retour de bateau. Et on stocke une boule. Voire même on stocke la deuxième. Hein. Ouais, on stocke la deuxième. C'est bien, ça nous donne un petit départ, mais là on a besoin de la place. Très bien. Pour la peine, on va reprendre de la flotte. Et on n'oublie pas qu'on peut virer la flotte. Voilà. Parfait, ok. Je vais monter à bord de ce truc, on n'a pas le choix. Mais ça nous donne beaucoup de visibilité dès le début. Oh oh, il y a même une caverne là, c'est pas mal ça. Ou ça pourrait être un temple de la montagne aussi. Hein. Donc faudrait peut-être y aller, les deux sont intéressants. Hein. Les deux sont intéressants. Il y a pas mal de choses. Alors, on va voir à quoi ressemble cette map. Deux montagnes et une forêt. On ne l'a pas pour l'instant, mais on a quand même la pelle. Je vais mettre la pelle à côté de la map. Voilà, très bien. Impeccable. Du coup, eh ben explorons. Allons-y. Allons-y, game. Qu'est-ce que c'est ? Un vieux camp. Un vieux campement. Bah super, on va peut-être découvrir des choses. Il y a des traces d'animaux en plus juste à côté, donc peut-être qu'un animal va nous regarder et va venir bastonner. 6 canettes de bouffe, intéressant, je prends tout, un plaisir. Et en plus, il y a un tigre qui nous attaque, un tigrou dès le début. Et là, très bien, viens frite, bâtard, 14 points de vie. Si on arrive à lui mettre un headshot, ça se passe bien, on n'a pas le fusil, donc c'est la panique un peu. Hein. On garde les yeux, on garde ça, on garde un cerveau. Quoi qu'il a combien, il a quoi? Il a 2 dés d'attaque, d'accord, très bien. Et bah tu sais quoi? On va jouer la sécurité. Un coup de boule qui le stun. 2 coups de boule qui le stun. Du coup, il est baisé, il a plus aucune attaque possible et disponible. Et pas de fusil. Bon, pas de fusil, mais c'est pas grave, c'est quand même les vacances. Voilà, une attaque précise. Une acupuncture. Et il saigne.
Et en plus, on se soigne et on se protège. Même si ça sert à rien, il peut pas attaquer vu qu'on a, on lui a mis deux coups de boule en fait. Y'a Picsou, il a mis deux coups de boule à un tigre, si tu veux. Y'a Picsou, il est passé, il a fait pouh, comme ça. Le tigre était à. Et là, y'a Riri qui arrive et pouh, comme ça. Double coup de boule, Tintin, il a pris les photos. Et juste derrière, y'a Milou qui a pris le fusil avec la bouche comme ça. Et qui lui met ça dans la gueule, si tu veux. Voilà. Très bien. Une peau de tigre, des dents, de la viande. Je prends tout. Et je suis surchargé. Donc sans surprise. On va donc lâcher la viande. Voilà. Je garde les dents parce que ça s'échange. Allons à travers la forêt. Ouh, un autre objet. Oh, un vieux temple. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah. Une structure majestueuse. Sauf que, comme ça dit, hein, la structure était légèrement penchée et s'enfonçait un peu dans le sol. Même si le sol avait l'air assez stable pour pouvoir y entrer. Le problème, c'est que si jamais ça crée des tremblements de terre, ou que ça crée des crevasses gigantesques, juste à côté de chez moi, ça pourrait engloutir le bateau. Oui, ça va loin comme ça, hein, parfois. Donc, c'est pas que c'est un peu dangereux, mais c'est un peu dangereux. Un cercle de pierre, cool. Ce cercle de pierre, même si on désacralise un petit peu cette terre ancestrale et vénérée, nous devrions laisser cette place telle qu'elle est. Alors Tintin, il s'en bat les couilles, hein, si tu veux. On peut révéler les endroits. Alors les caves, on en voit une, les settlements, les ruins, les camp points. Les caves, on n'a pas de torche, donc ça sert à rien de les révéler. Par contre, les ruines et les settlements, c'est intéressant. Mais en même temps, camp points, ouais. Les caves, c'est peut-être intéressant, en fait, vous savez, parce que ça nous, du coup, ça nous dirait quels sont les endroits dans lesquels il ne faut pas aller. Et est-ce qu'il y a un temple dans une montagne? Si une cave n'a pas été révélée alors que c'est une montagne, ça veut dire que c'est un temple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux types de trucs dans les montagnes, soit les caves, soit les temples. Donc je vais révéler les caves. Donc Fifi, Riri, il en peut plus, si tu veux. Il était complètement superstitieux et il nous avait averti que nous avions rendu les dieux fous de colère avec notre hérésie. Donc il y a quatre cavernes, ce qui veut dire que ça n'est pas une caverne. Et donc c'est potentiellement un endroit intéressant. Potentiellement un endroit intéressant. Est-ce qu'on peut aller marcher jusque dans cette forêt à la cour? On va jouer un coup de tambour histoire d'augmenter notre santé mentale. Pas de raison, hein, pas de raison. La carte, que dit la carte? Parce que ça vibre, mais pas beaucoup, mais ça vibrait beaucoup plus par là-bas, donc c'était par là. On va utiliser une dynamite là-dessus, bam! C'est bon, et ça a libéré le passage qui nous permet d'avancer. Par contre, les villageois, ça les rend vénères, hein, qu'on bousille un peu leur zone. Ah, et ce n'est pas une cave magique, c'est une cascade. Une belle cascade d'ailleurs, où on pourra se reposer et remplir notre flotte. Très bien, bah reposons-nous-y. Très bien. L'équipe ramassa du bois pour le feu très rapidement. J'étais resté éveillé et j'écoutais la vie animale aux alentours. Je me posais la question de savoir s'il y avait un moyen de connaître les types de dangers qui m'attendaient lorsque je pillais des anciens temples. Peut-être que si je faisais attention à la structure de chaque temple, je pourrais gagner une meilleure compréhension. C'est l'indice en fait pour vous expliquer qu'il faut lire le deuxième paragraphe qui vous dit à peu près ce qui va se passer si vous pillez un temple. Voilà. Si vous violez un temple, donc. Bon, vous connaissez le dicton, hein. S'il faut violer un temple, violez-le un bon coup. Alors, après plusieurs journées de repos, nous profitions de la magnifique cascade. La vue était superbe. Très bien. Donc là, il y a des cavernes à l'infini, si tu veux. Putain. Oh là 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 là. Grosse map, quand même. On va peut-être partir par là, histoire d'explorer. Wep. Ça vibre fort, là, quand même, hein. Ça vibre fort. Aucun moyen de savoir si c'est dans cette zone. Peut-être par là. Hein. Peut-être par là. Vrai. Ok, on y voit clair. Hein. Moi, je vois pas la zone de trésor et pourtant ça vibre à donf. Hein. Ça vibre à donf. Hein. Donc il doit y avoir sans doute un trésor qui se trouve quelque part. Mais pas réussi à le trouver, ce n'est pas important, ce n'est pas très grave. Heureusement que j'ai gardé un peu d'eau, cependant. Heureusement que j'ai gardé un peu d'eau. Ici, il y a une rivière. Avec une mission. Excellente nouvelle. On joue un coup de bongo. La mission nous permet de stocker des objets à l'intérieur qui seraient amenés à Londres aussi.
Oui, ouais, rentrons à l'intérieur. 10 de santé mentale. Nous entrions par la porte et nous étions accueillis par un vieux missionnaire. Il était très heureux de voir de nouveaux visages, même si ça faisait assez longtemps qu'il n'avait pas eu de contact avec d'autres êtres humains. Frère Edward, eh bébé, est-ce que t'as des choses à échanger, mon grand ? Ah, il a de la bouffe, il a du matos de soins et il a des billes. Les billes, c'est bien, on peut les échanger avec les villageois. Ces abrutis, ils les achètent pour cher. Par contre, lui, il apprécie énormément cette bouffe-là. D'accord. Donc ça, c'est son kiff, cette bouffe-là. Le problème, c'est que c'est notre bouffe, quoi. On en a besoin, si tu veux. On va pas la vendre pour rien. Et ça, c'est cool, parce que normalement, c'est un truc qu'on vend aux villageois, si tu veux. Mais lui, apparemment, ça a de la valeur pour lui, quand même. Donc on va lui donner ça, ce qui fait qu'on peut lui prendre le plus de soins possible. Et peut-être les billes, si tu veux bien lâcher des billes. Lâche des billes, j'ai perdu mes billes. Oh, par contre, l'alcool, plus 250%, l'alcool, lui, c'est son dada, si tu veux. C'est son dada sexuel. On va lâcher des cordes en échange parce que j'ai pas besoin d'autant de cordes. C'est pas mal. J'ai pas besoin de plus. Ouais, j'ai quand même gagné plein de billes et du matos. Non, c'est cool. C'est un deal. Est-ce que tu me laisserais dormir ici, mon gars ? Il veut une compensation. Ah ! Alors, foiré. 3 canettes ? Ouais. Un alcool ? Non. Non, non. Pas. Des dents, il s'en fout. Des billes. Tu veux des billes ? Tu veux tes propres billes ? Une dynamite ? Oh, allez, va pour 3 canettes de bouffe de toute façon. Hop, voilà. On s'est endormi et de toute façon, on a gagné 30 sanités, ce qui serait l'équivalent de ce qu'on gagnerait avec nos 3 canettes, sauf qu'on ne peut les manger que lorsque notre santé mentale est basse. Donc finalement, on n'a rien perdu, si vous voulez ce que je veux dire. C'est pas très grave. Et on part. Très bien. Très bien. Cette caverne m'intéresse, cet ennemi aussi. Il y a l'air d'avoir un scorpion géant. Chance de l'attirer, 100%, et j'ai pas eu le temps. Apparemment, je l'ai attaqué sans faire exprès. Très bien, c'est pas grave, 2 scorpions géants à 12 points de vie. Couleur très vénère, et elle a pas eu son alcool, donc elle est pas heureuse. Allons-y. La magie, on la garde, l'œil, on la garde. Le coup de boule, ils ont combien ? Ils ont plein de dés, donc c'est peut-être pas avantageux. L'avantage, ce serait de garder ça et de réussir à mettre des yeux, les enfants. Le fusil, c'est bien, l'épée, c'est bien. Et le reste, c'est nul. Allez, on y croit. Ouais, des yeux, ça, j'aime ça. Eh ben, on va se démerder avec tout ceci. Allons-y, voyons voir. Déjà, master full shot, pef ! Ça, c'est réglé. Merci, Fifi. Joli tir, Milou. Bien joué, Milou. Petite ponctuation, histoire de le faire signer. Attaque précise. Pour 5. Va pour ça. Et il va saigner 3, il faudrait lui infliger 2. J'ai pas de quoi, malheureusement. Sauf si je l'empoisonne, mais dans ce cas, il va perdre 1. Ah, et ce sera pas assez. Ce sera pas assez. Soit je prends le risque de me prendre un tour dans lequel il va me mettre des mistres infinis. Écoute, on va faire ça. On va prendre le risque parce qu'au pire, on a des choses pour se soigner. Voilà. Donc vous en faites pas. Bon, il a tué le chien, mais tout va bien. Le chien n'est pas mort. Hein. Voilà. Vas-y. Vas-y, Rance. C'est bizarre, cette épée. C'est pas l'épée maîtresse, mais bon, ça fera l'affaire. Blah. Allez. Petite faciale, 45 de santé mentale, c'est assez fou. On a gagné 2 queues de scorpion et de la viande. Et on a un item de trop. Bon, l'item de trop, ça pourrait être de la flotte, je trouve. Ah non, mais non, faut boire ça de toute façon, sinon Syl, elle va péter un câble. Voilà, c'est bon. La loyauté de Syl est revenue. Son alcoolisme... Ah merde ! Merde, Riri s'y est mis aussi ! Oh, trop bien ! C'est le plus bourré de tout Canardville. Riri. Tequila manzana cantabile. Riri. C'est un gros soifard. Et foie de canard. Riri, t'es bourré. Riri, fantastique. Fantastique ce Riri. Du coup, qui on améliore ? Level 3. Parce qu'on a 3 étoiles, on peut améliorer quelqu'un level 3. Peut-être Rance Sama pour gagner encore plus de santé mentale au combat. Ou lui, journaliste.
Ou elle, qu'est-ce qu'elle gagne? Wound Treatment. Non, mais ça, c'est sa régénération magique, ça, non? Je sais pas ce qu'elle vaut, level 3. Elle a peut-être un vrai truc. Et le chameau, il est très heureux, c'est un chameau. Très bien. Ouais, va pour Rantz. Et ça lui donne un troisième dé de combat, putain. Bourrin, Rantz, sa main. Il déconne zéro, hein. Ça bourre, hein. Ok, un vieux campement, très bien. On explore la zone et voyons voir qu'est-ce qui s'y trouve. De la dynamite, mon gars, on est bien. Et il y a un tigre qui se ramène. Bah viens, il vient parler. Il vient nous parler, il vient payer pour tous les autres, si tu veux. Ça fait beaucoup d'épées, hein. Voilà. Pas besoin d'autant d'épées, si tu veux. Regardez la magie. Voilà, on va garder les yeux. On va garder les courses, on va garder les têtes. Et pas de fusil. Bon, il a combien? Il a 2 dés de toute façon. Allez, un coup de tête. 2 coups de tête. Ah, et je peux même faire du soin magique. Ah non, j'ai pas le cerveau. Mais c'est pas grave, ça pourra soigner un peu Milou. Ah non, Milou est mort, d'accord. Bon, ça compte pas. Ça compte pas. Milou est trop mort, si tu veux. On va lui percer un poumon, voir comment il réagit. Voilà. Il est stun, de toute façon, il ne peut rien faire. À nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rituel de sang-tété. Coup de boule. Coup de boule. Coup de boule. On a molesté un tigre, si tu veux. Voilà, le tigre il est là. Montre-moi sur cette peluche Disney où est-ce que Picsou il t'a mis des coups de boule, si tu veux. Alors, Louis, il est blessé, mais sa blessure n'est pas encore infectée, donc on va garder nos ressources pour l'instant. Et on va espérer qu'il tienne le coup, ce petit bâtard. On va lâcher la flotte. Ah, un trader. Et on a plein de pots et des choses et des trucs fantastiques et formidables. Allons-y. Excellent, mon gars. Salut. Ah! Il nous a présenté une sélection de ses biens, mais on ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il avait de meilleures choses à nous vendre. L'enfoiré, il a tout gardé pour nous. Oh, encore des drums, c'est 20 santé mentale tous les 10 jours, c'est quand même pas mal. Hein. Des défenses d'éléphants que lui, il s'en fout. Mais en vérité, ça a énormément de value, contrairement voilà, à ce tigre. 60 de... Ça vaut 60 le truc de scorpion. Papa! Oh là 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 là. Et ça vaut combien? 20 et 20 de fame, et là 20 et 60 de fame. Donc clairement, les queues de scorpion, c'est cool pour lui, quoi. C'est lui, ça le fait bander. Du coup, on gagne des tambours gratuits. Ce qui est cool, on pourrait les lâcher, hein, si jamais on n'en a pas besoin. Des flares, des balles, des trucs, des pelles, des couteaux. On peut prendre des couteaux, c'est cool. Lâcher contre une peau. Ou alors, on te garde la peau et on te donne des dents. Ouais, mais la peau, ça nous libère la place d'inventaire, si tu veux, donc c'est pas mal. Est-ce que je peux avoir des explosifs? Genre, est-ce que je peux avoir une chier d'explosifs, en fait? Les explosifs, c'est bien. Mangez-en. Et voilà, pile poil, écoutez. Et très légèrement à son avantage, écoute, je lui l'offre. Hein, il a fait péter la chicha, de toute façon, voilà. Hop. Excellent. Et du coup, nous avons 2 tambours. Ce qui n'est pas rien du tout. Parce que c'est 20 de santé mentale à chaque fois que l'on... tous les 10 jours, en fait. Et c'est vraiment avantageux. Même si ça attire plus d'ennemis sur notre position. Cette caverne m'intéresse. Hein. Malheureusement, on n'a pas de torche. On pourrait y aller, mais ça se trouve, ça fait explorer ailleurs. On peut y aller vanilla aussi. Hein. Après tout, parce qu'il faudrait escalader une montagne et tout. Ouais, c'est chiant. Allons-y. Il nous fait passer par la forêt plutôt que par le désert. Très bien. Ah, un temple. Ainsi qu'un vieux piaf juste à côté. Un piaf nul. J'ai toujours pas trouvé l'endroit magique. Et ça faisait un petit bruit, hein. Ça fait du bruit de temps en temps comme ça. Je pense que c'est ça qui essaie de m'indiquer qu'il y a un trésor proche. Mais j'ai toujours pas réussi à les trouver, ces trésors, donc c'est un peu baisé. Il faut voler l'idole d'un village de natifs. On est à moins 4 avec les natifs. Ça va être difficile, on va y arriver. Très bien. Le bâtiment était froid au toucher. Je me demandais si cette pierre était résistante à la chaleur ou s'il y avait une autre explication. Ah ah, une moonstone, ainsi que des trésors et des richesses. Le problème, c'est qu'il nous faudrait lâcher pas mal d'items, en fait. Je prends tout. Allez hop. Je prends tout et l'air commença à se cristalliser tout autour de nous. Le danger était sans doute total, mais on pourrait faire un petit retour jusqu'à la mission si tu veux. Même si on a 3 items de 3. Alors on va lâcher les cordes. On va faire un coup de tambour parce qu'il n'y a pas de raison. Ça nous compterait combien? 106 malheureusement. On n'a pas. Il va falloir se libérer de matos.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il va falloir se libérer de Matos. Est-ce que j'abandonne la carte? La carte au trésor, et que je me dis que je ne trouverai pas le trésor de Machapuchak. Parce que clairement, je le vois pas. Regardez, ça c'est la carte. Donc vous voyez, il y a deux morceaux de monticule de bouse au milieu d'une forêt de pierres. Et c'est le seul endroit où il y a ça, mais c'est pas le cas là. Là non plus, peut-être au sud, peut-être au nord. Ah. Je suis réticent hein, à l'idée de lâcher tous ces items, mais j'ai envie de faire un aller-retour là-dessus. Page of Waterfall, Page of World Creation, Treasure Map. On pourrait lâcher les restes d'eau, après tout, il n'y a pas tant de désert que ça. Hein. Il n'y a pas tant de désert que ça, mais ça impliquerait qu'on lâche aussi un autre item. Donc ce serait sans doute la pelle. Eh. J'hésite, hein. Parce qu'il faudrait qu'on sauve des items comme ça. Écoute, on va lâcher la pelle. On va lâcher la pelle. Hop. Je rappelle, tous les objets qui ont une plume ne prennent pas une place d'inventaire. Hein, donc c'est des faux objets. Faut pas... Voilà, on va lâcher la pelle. On pourrait lâcher la viande, hein. Mais la viande, c'est un bon objet de trading pour les sauvages. Et on a les billes, tu me diras, on a les billes. Oh. Faudrait quand même garder de l'eau, c'est vaguement un désert, vaguement. Ouais, mais on a des beans, oh, allez, vire l'eau. Voilà, très bien, on y va sec. Bon, par contre, ouais. Oui. Les conséquences sont profondes. Voilà. Access Storage Room, l'entrepôt. Le prêtre nous nous donna l'autorisation de stocker les trucs dans l'entrepôt de stockage et les enverrait dans le monde civilisé si on ne pouvait pas les récupérer nous-mêmes. Excellent. Donc je peux lâcher ça et tout ceci. Alors ça, j'ai pas l'intention de l'échanger au villageois, si tu veux. Excellent. Merci mon gros. Du coup, là, on va passer au milieu de la neige, mais la neige, c'est cool. Ce sont des plaines, on a de quoi passer aussi. Ce n'est pas très dangereux. Par contre, s'il y a cette espèce de piaf démoniaque, j'aimerais bien me le saucer, j'avoue. Attends, on arrête de se déplacer. On va jusque-là. On va voir si on arrive à le choper. Voilà, très bien. Attack Giant Bird, super! Excellent, il a 18 points de vie, allons-y. Fusil, œil, bef, dès le début. Tac, ça c'est dans sa bouche, c'est réglé. Couteau, œil, plus d'œil. J'ai plus d'œil. Bon, j'ai plein de têtes, j'ai plein de bonhommes. Oui. Oui. Voilà, il est stunné de ces trois trucs, si tu veux. Vrai, de toute façon, on l'achève, allez. Décapité. Des plumes, de la viande. Je prends tout, merci madame. Excellent. Bon, bah pour l'instant, ça se rend plutôt bien, j'ai envie de dire. Et en plus, on n'a pas perdu d'item particulièrement. Oula. Le village n'a pas l'air d'avoir été détruit. Par contre, je me demande si l'extension de glace, elle est infinie, en fait. Si c'est le cas, ça pourrait nous poser des problèmes. Hein. J'ai laissé les raquettes sur le bateau, je rappelle. La loyauté a baissé. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont besoin de... Ils ont besoin d'alcool, ces enfoirés. Utilisons les bongos et montons sur la colline, voilà, histoire d'avoir un peu plus de visibilité. Donc là, il y a des cailloux partout, et là, il y a des montagnes, si tu veux. Ah, sans accès à de l'équipement médical, c'était impossible d'empêcher une blessure telle que celle de Louise, de Milou, de venir infectée. Il commençait à avoir du pu, et ça avait l'air nauséabond. Très bien. Tout va bien, on a ce qu'il faut. Voilà, ça, c'est un bon Milou, ça. Oh bah oui. Voilà, un très bon Milou. Un Milou qui est donc soigné. Là, il y a une panthère, c'est intéressant, ça. Explorons la cave, d'abord. On n'a pas de torche, mais on a plein de dés. Allez, un œil. Bon, on a tous les yeux du monde, on a tout repéré, c'est facile. Très bien. Malgré notre folie, cependant, nous avons réussi à franchir les ténèbres et nous sommes sortis de la caverne sans que personne ne soit blessé. Je ne sais pas combien de temps on a traîné dans la caverne, mais nous avions essayé de trouver la lumière. Et nous avons découvert une crevasse distincte. Les murs étaient couverts de peintures préhistoriques qui montraient la route dans une région isolée à des milliers de kilomètres d'ici. Nous afférions à enregistrer toutes ces informations sur un document pour des recherches ultérieures. Oh ! New World Discovered. Ah, d'accord. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que lors de la prochaine sélection de monde, chers amis, j'aurai le droit à un monde supplémentaire qui est plus difficile, mais... et qui me rapportera plus de fame, mais qui n'était pas disponible auparavant. Putain.
saleté. Voilà, saleté. Deux panthères. Fusil, flingue, flingue. C'est réglé, non. Coup de tête. Combien il a de dés? 3 dés. Ah, on n'a pas assez de coups de... Ouh, c'est pas grave, coup de tête. Ouh. Coup de griffe. Bleh. Coup de tête. Ouh. Ouais, c'est bon. Les meilleures techniques, mon gars. Couteau. Bleh. Voilà, il lance 3 dés, mais il est stun. On a trop de têtes. Normalement, il y a des dés verts au milieu de ça. Hein. Ça permet de faire des combos aussi, hein, mais... Putain, on les démonte, hein. Oh là 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 là, on prend tout. Et là, ça me dit qu'il y a un trésor proche aussi. Ça vibre à donf, hein, mais impossible de savoir où. Hein. Et ça, oh, un temple dans la montagne. Intéressant, intéressant. Et là, donc, il y a une caverne possible, éventuellement. Ça coûterait 28 d'y aller. 29 ici, allons-y. Allons-y pour avoir plus de visibilité. Très bien. Excellent. Ça a l'air d'être une cascade, ça. Si c'est une montagne juste à côté d'un truc. Et rappelez-vous, au début, j'ai utilisé le cercle de pierre pour... Putain, cette zone. J'ai utilisé le cercle de... C'est le Wakanda. J'ai utilisé le cercle de pierre pour révéler toutes les cavernes, en fait. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une caverne. Soit c'est un temple dans la montagne, soit c'est une cascade. Une cascade sur écoute, ça nous permet de nous reposer, même si Lara Croft est à 44 jours d'arriver à la pyramide. Cette espèce de petite pute arrogante veut essayer de nous voler notre gloire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Examinons le temple. Alors, ah, un temple se tenait au-dessus de nous. Le temps avait pris son dû sur la structure et il faudrait escalader pour atteindre l'entrée. Le sol avait l'air suffisamment stable pour que nous puissions rentrer. Malheureusement, on n'a ni matos d'escalade, ni matos ni corde. Donc il faudrait escalader à la main, en fait, si tu veux. Non seulement ça, mais en plus, derrière, il y a la malédiction du trou. Tout ceci est dangereux, si tu veux. Utilisons le tam-tam, et puis allons-y, allons nous saucer des richesses qu'il y a à l'intérieur. On escalade sans sécurité, allez. Oui, c'est bon, il y a un monsieur. C'est bon, il y a un monsieur, du coup, hop, 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 hop. Rentre s'il est trop agile, si tu veux. Tintin aussi. Voilà, Riri, il est resté avec Syl pour pleurer et souffrir de leur manque d'alcool. C'est pour ça. Investigation. Oh, oh, pas mal, pas mal, pas mal. Deux cailloux magiques, des pots et du merdier. Je prends tout. On prend tout. Et malheureusement, une gigantesque crevasse se creusait derrière nous. Donc on a deux items en trop. Deux items en trop. C'est la bataille pour savoir ce qu'on jette. Hein. On jette la viande, et puis on jette la viande. Et je pense que de toute façon, on n'arrivera pas à voler l'idole, parce que j'ignore s'ils nous laisseraient entrer dans le village, les natifs. Hein. Ils vont peut-être même nous envoyer des expéditions punitives, si tu veux. Tant pis, on aura échoué toutes les missions. Hein. Oh là là, regardez ce trou dégueulasse. On attaque la panthère qui offre se mesurer à nous. J'ai un coup de boule. Et ça, c'est pour lui apprendre une forme de respect, si tu veux. Ouais, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ok, c'est fini. Oui. Voilà, très bien. Allez, on prend tout. Allez, ça, c'est réglé. Un item de trop, on jette la viande. On se grouille le cul. Oh, une hutte. Par contre, c'est dangereux, parce que ça continue de s'élargir. Et ça a pas l'air de s'arrêter, si tu veux. Bon, il y a une hutte. Nous entrons pénétrions dans une hutte mystérieuse. Un chaman s'approcha de nous et nous pouvions lui demander des services. On peut lui demander une purification, ce qui enlèverait tous les malus sur un personnage. On pourrait faire des échanges avec lui. On va demander une purification. Très bien, il demande un léger prix. Et il a aussi du matos qu'il peut nous offrir. Donc voyons voir. Il estime les billes. Oh, il aime les billes. Oh, le gland. Voilà, prends tes billes. Allez. Portal traversal. Ça nous permet de franchir un portail magique. Très bien. Homebound, ça nous permet de revenir au bateau. Water Drain et Random Téléportation. Random Téléportation pourrait trouver une utilité très très bientôt. Une poupée vaudou qui paralyse dans la chiasse tes adversaires pendant un tour, tout à fait. Et franchir un portail. Super. Et enfin tout ceci, Purple Mushroom, d'accord. Blue Mushroom, oui. Rouge, Vert Mushroom et Jaune Mushroom. Est-ce qu'on peut vous prendre un bleu et un jaune? Ça coûte combien? 10 et 10? Vous voulez un truc à 20? Vous voulez une peau de panthère? C'est bien les peaux de panthère. Prenez une peau de panthère, monsieur. Ça, c'est un bon villageois, ça. Excellent. Le chaman récupéra les objets offerts et demanda à qui bénéficierait plus le traitement. Eh ben, Syl, elle a bien tenu avec son alcoolémie. Mais j'avoue que Riri commence à avoir des difficultés. Riri commence à en chier, si tu veux, en tant que MacDuck. Donc du coup, on va soigner Syl. Voilà. Puisqu'elle est clairement plus utile. Hein.
Le chaman commença son chant. Il était en communion avec les dieux. Après un peu de temps, il se calma et il aida Syl à se relever. Ah. Écoute, petite purification à l'ancienne, moi je respecte ça. On va utiliser une poupée vaudou pour qu'eux ils crèvent de chiasse. On va utiliser ça, ce qui augmente notre capacité à transporter des objets. Et on va utiliser ça pour augmenter notre champ de vision. Et voilà qui est... Voilà qui est bien meilleur. Voilà, on va attaquer le tigre. Avant que la situation dégénère. Très bien, on a un fusil. On a un œil, mais on n'a pas tout. Il a deux attaques, lui. On a déjà de quoi lui mettre tous les coups de boule du monde. Donc on va commencer par ça, si tu veux. Voilà, il peut plus jouer. Il peut plus jouer, c'est interdit. T'as pas le droit de jouer. On t'a dit non, si tu veux. C'est interdit. Voilà, très bien. Puis un petit coup de fusil. Juste avant ça, regarde. Pour augmenter l'humiliation, on soigne. Allez, vas-y, Riri. Vas-y. Oh ! Félicitations, Riri. C'est un bon meurtre. Voilà, on prend tout. Allez. Impeccable. Et du coup, par contre, c'est la merde parce qu'on ne sait pas où est la... On ne sait pas où est la... On ne sait pas où est la... La pyramide, ça me dit qu'elle est dans cette direction, donc elle est sans doute à travers ces montagnes de merde. Mais pour la trouver, bonne chance, quoi. Bonne chance, bonne chance. Ah ah ! Ça, c'est la pyramide. Tu peux en être sûr. Et ça, c'est sans doute une cascade. Et ça, c'est une caverne. Bon. Eh ben, on a encore un peu de temps avant que Lara Croft n'arrive. Donc là, il y a une cascade pour nous reposer au besoin. J'aimerais bien explorer cette caverne. Oh, s'il y a moyen de faire péter les trucs, là. Loyauté qui a descendu, c'est pas grave. On joue du bongo. Allez, blé ! Très bien. Blé ! Très bien. Petite ruée vers l'or. Ah putain, par contre, on est en surcharge. Aïe. Du coup, on a perdu masse de santé mentale. J'aurais dû faire attention, mes excuses. On a quand même des beans, donc ça va bien se passer. Explorons la caverne, voyons voir. Allez, on y voit, il y a un œil, tout va bien. On y voit. Et on a trouvé des restes d'un explorateur allemand. Voyons voir les restes. De la peinture, des balles, des cordes. Écoute, prenons tout et on va voir ce qu'on jette. On va jeter ça, c'est sûr. Les cordes, j'ai envie de les garder. Hein. Je peux jeter les balles, ça c'est sûr. Et j'ai un item de trop. Quel est l'item de trop ? Arrgh. Quel est l'item de trop ? Ah, les cordes, hein, ça vaut rien finalement. Bon, bah, tant pis. C'était un bel essai, c'était une belle exploration. Explorons au nord. Elle est toujours morte dans sa chiasse. Non, c'est bon, elle s'en est remise. Oh, un temple ancien dans la montagne. Voyons voir. Explorons. Après une longue expédition et un long jour de voyage, nous avons trouvé un endroit spécial. Je pénétrai à l'intérieur. Oh, un hôtel sacré avec un pot qui boit. Un pot magique qui boit. Ça pourrait être une malédiction, ça pourrait être une bénédiction. Hein. J'ai envie de faire boire Tintin. Tintin, mais sympathique. Hein. Tintin pourrait bénéficier de bonus. Hein. Tout le monde me dit Riri, non, Riri va mourir. Je veux dire, honnêtement, allez, on va faire boire Tintin. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, j'ai offert à Tintin de boire de ce mystérieux gobelet. Il m'a regardé pendant un bref instant, puis le but d'un seul trait. Quel courage, ce Tintin. Le moment où il but du calice, il commença à trembler alors que son corps se tordait de douleur. Après que ses hurlements cessa, je pouvais voir que ses mains avaient muté dans des espèces de griffes guerrières et bestiales. Ce n'était pas la chose la plus belle à voir, mais ça pourrait être très utile lors d'un combat. Ah ! Ah putain, oh la vache ! Additionnel bestial. Oh la vache ! Il a un nouveau dé avec ses griffes, il a muté comme dans Resident Evil, si tu veux. Oh là 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 là, le Resident Evil en 3D, tu sais, celui où t'as Léon qui fait du gun-fu. Je crois que c'est Armageddon ou un truc comme ça. Ah, c'est Tintin et un loup-garou. Eh ben, c'est stylé, hein. On a Rance Sama, on a Syl, on a Tintin loup-garou. Eh ben, c'est pas mal du tout, ça. Ah, et ça, par contre, ce sont des villageois. Donc les villageois, ils sont partis d'un village, je les ai jamais vus, si tu veux. Donc ça devait être leur village, à mon humble avis. Hein. Mais bon, tant pis pour leur idole. Tant pis pour tout ceci. Allons-y. Voilà, très bien.
On explore la pyramide antique. Ah, l'odeur de la victoire. Cependant, une porte bloquait l'entrée. Une espèce de petite ouverture suggérait qu'on avait besoin d'un artefact pour ouvrir la porte. Oh putain, c'est ça. Heureusement, je l'ai gardé, les enfants. Ouh. Une pierre de lune. Ah, après toutes ces difficultés, je savais que le nom de Picsou McDuck, de Balthazar Picsou, serait remémoré pour les airs et les airs. Avancez. Wouh, et en plus on est premier. On a bonus du journaliste qui a perdu un peu de son bonus. Hein. Je pense que Tintin il a je pense qu'il a du mal à écrire. Il grave dans des pierres, en fait, il grave dans des troncs d'arbres ces articles de journaux. Le temps qu'on les transcrit, c'est compliqué. Ça cause des griffes, hein. C'est dur avec l'encre. Hein. Hey, c'est la victoire, triomphe. Oh là 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 là, voyons voir. Carriériste, promouvoir quelqu'un augmente sa loyauté, c'est de la merde. Marché noir, augmente les disponibilités d'objets avant de partir en aventure, on s'en fout. Poète de voyage, l'utilisation des bongos et des flûtes est améliorée. Mais oui, mon gars! On a tout gagné, des bongos, j'en ai ça en triple. Oh là là, Picsou! Picsou! Oh, le combo, et regarde ça! Elle me dépasse même pas alors qu'elle utilise toute sa poitrine. Elle est en couverture de Playboy. Et même pas ça suffit! Les dessous de Xoupi. Alors ça, du coup, ça s'échange à un village, donc je vais les garder. Ça, je vais les vendre, j'ai besoin de thunes. Ça, je vais les garder pour un village à la con. Ça, je le donne. Ça, je les vends. Ça, je le vends. Ça, je le donne. Ça, je le donne. Et ça, je les vends, mon gars, l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Ah, et du coup, nous avons une nouvelle expédition, puisqu'on a découvert un endroit. Ah, regardez, vous voyez le titre en blanc, titre en blanc, titre en blanc, titre en jaune. Ça veut dire que cet endroit est l'endroit que j'ai découvert dans la caverne ancienne avec les inscriptions préhistoriques et qui me mèneraient à des endroits inexplorés et inexplorables. C'est un plaisir et c'est un régal. Ça fait rêver, mais ça fait encore plus rêver. Ce serait la dernière expédition, j'ai l'impression. Et on la fera dans le prochain épisode avec une run qui pour l'instant se passe, mais c'est un régal, chers amis. Sur ce, je vous remercie, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine pour les expéditions de Xoupi. Oh, c'est ça qui est bon. Et Riri a survécu.